Bonjour, coucou Méliane, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Méliane et Méliane, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça vous plaise ou ça vous déplaise. Méliane et Méliane, merci de faire un tour de partage afin que ceux qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Millions et millions, merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir, l'honneur de me suivre. Cette semaine-ci, j'ai décidé, j'ai signé un gangan sur un dossier. Je ne laisse pas. Bipez-moi massivement Marie Bibi. Et quand vous bipez massivement Marie Bibi, vous bipez aussi massivement Laure Kamenyi en même temps. Attendez, je viens de me lever. Je viens de me lever. Facebook est devenu quoi? Hey! Bipez-moi les gens ici là, bipez, bipez, pardon. Mais millions et millions, ouais, oh! Quand c'est comme ça, vous faites aussi vite, je ne pas avoir des vite, je me quitte sur ça. Vous allez faire, ils vont venir commencer à signaler le direct que ce que je voulais dire, je ne vais même plus me permettre de dire. Donc quand vous connectez, vous faites un tour de partage, vous bombardez les cœurs, vous cliquez sur les cœurs, vous cliquez sur les likes, maximum de partage. Je disais donc, millions et millions, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. J'ai créé un monstre. Je suis consciente que j'ai créé un monstre. Laissez-moi gérer mon monstre. C'est quoi? Je vous ai dit que mon monstre me dépasse. Je vous ai dit que mon monstre me dépasse. Je vous ai dit qu'il y a certaines personnes insignifiantes et insignifiantes pour moi. Qui m'ont prononcé, il y a l'ankalankalan qui me prononce encore aujourd'hui, attendre que je les fabrique. On vous a dit que je fabrique la boibèse. On vous a dit que je fabrique n'importe qui ou n'importe quoi. Je vois certains blogueurs se lever aujourd'hui, profiter de l'histoire de moi et leur Kameni pour dire que c'est comment, tu dois nous répondre. Je ne réponds pas à la merde. Quand je dis que quelqu'un est insignifiant pour moi, je dis que j'ignore la personne. Il y a tellement de blogueurs, ils vont se reconnaître quand ils vont regarder le direct. Qu'ils attendent ces mots. Le nom d'Aïcha Kamoa de fabrique. N'en plaise ou n'en déplaise. Je ne prononce. Je fais le choix de prononcer. Je ne prononce pas le nom de n'importe qui. Une blogueuse comme Flore ou Pepe, tu vas me parler, je peux répondre ou Tata Lolo. Parce que non, j'ai envie de répondre. Mais il y a certains pisseurs qui sont sortis, il y a l'ankalankalan, comme ça, vont venir me parler. Ils attendent que moi. Je réponds, mais ça va pas là. Là, Kamoz. Millions. Vous savez, je suis tenace. Je suis robuste. Du haut de ma R50, c'est qu'on ne me prend pas de la petite cuillère. Ça bug. On dit que ça bug. Partagez, partagez avant que je ne commence. On dit que ça bug. On sait que du haut de ma R50, on ne me ramasse pas avec la petite cuillère. Il y a certaines personnes que quand ils parlent d'une histoire, ça ne prend pas. Mais dès que la camoise ramasse l'histoire, ça prend. Donc, ceux qui veulent que je les fasse, vous me payez. Parce qu'il y a certains noms que ça ne prend pas. Que je n'ai même pas le goût quand je vais prononcer les personnes là. Il y a certaines personnes là que ça ne prend pas. Je n'ai pas le ton. Quand je vais les prononcer, on vous a dit que moi, ils prononcent tout et n'importe quoi. Je prononce ce que c'est qu'on peut s'asseoir. Donc, il y a match. Il peut avoir match. C'est moi qui ai fabriqué mon démon, qui est Laure Kamenyi. Laissez-moi gérer mon démon. Je n'ai pas demandé la rescousse. Je n'ai pas demandé le sauvetage. Je n'ai pas demandé le SOS. J'ai mon couloir, une place. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me soutenir ou quelqu'un qui va venir. Qui? Les petits là qui viennent d'arriver, vous êtes sortis derrière moi. Ça fait bien, près de 12 ans. J'ai commencé en 2011, si j'ai bonne mémoire, quand vous regardez mes vidéos YouTube. 12 ans bientôt que je suis là. Il y a des 12 ans bientôt que je suis là. Je n'ai demandé à personne. Là, je parle des petits blogueurs. Ils ne parlent pas de Marie Bibi, là.
Cela, quand je m'adresse, je ne parle pas de ma vie. Parce que j'ai envie, si j'ai envie de la prononcer, je prononce. Vous comprenez, non? Voilà. Je parle des autres. Parce que si je ne voulais pas prononcer Marie-Bibi, j'aurais... Voilà. Mais c'est une petite que je tombe souvent sur ces... Ouf. Je tombe souvent sur ces publications. Donc, je ne peux pas faire comme si je ne la connais pas ou je ne la vois pas. Mais il y a d'autres petits bloqueurs, petits nyama nyama blogueurs là. Qui sont à côté comme ça là. Vous êtes insignifiant pour moi. Donc, je ne peux pas vous prononcer. Ça ne va pas me donner l'audience. Hein? Ça ne va pas me donner l'audience. Ça ne va pas me donner l'argent. Attendez, je bloque celui-ci. Vous avez banni celui-ci. Vous avez dit que banni Aston. Confirmé. Donc, il y a certaines personnes. Si c'est ton nom, si il n'est pas la personne, si là, non. Ça va me donner de l'audience. Je parle. Mais si elle voit que ça ne va pas me donner de l'audience, au contraire, c'est moi qui suis en train de fabriquer la personne. Je ne parle pas. Même si tu vas dire n'importe quoi, même si tu parles, tu publies même mon zout. Je ne répondrai pas. Et même si tu publies mon zout, je ne répondrai pas. En passant, mesdames et messieurs, je vous informe au cas où on dit que mon zout est dehors. Écoutez bien. Vous savez que quand quelque chose arrive sur moi-même, je préfère moi d'abord venir parler, non. On dit que mon zout est dehors. Mais par contre, c'était bien rasé. Parce que vous savez que moi, j'aime bien faire. J'aime raser. Hein? Non, Marie-Bibi a raison. Elle a bouffé sa tontine. Je dois bouffer pour moi. Elle a totalement raison là-bas. Mais ça ne peut pas m'empêcher de l'indexer parce que elle m'a permis aussi d'appuyer sur le fait que cette femme était menteuse patentée. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de te prononcer. Je ne t'appelle pas la recousse parce que j'ai les épaules assez solides pour gérer mon retour. Quand il y avait... quand il y avait Tic Dengue, je vois que ce sont mes enfants. Quand il dit mes enfants sont mes petites soeurs, je ne veux pas aller me rouler dans la boue. Je l'ai laissé gérer avec Tic Dengue. Je pouvais bien répondre à Tic Dengue, mais aller répondre à Tic Dengue ou à Tic Beg ou à Bob Anus, ça serait un peu... Non. Il peut les titiller de temps en temps, hein. Il n'y a pas de souci. Hein? Non, la caméra n'est pas venue cette nuit, c'est Wambo! Cette nuit-ci, la caméra n'est pas venue me chercher cette nuit-ci, là. Elle n'est pas venue! Yay! Yay! Oh, le bâton que j'avais préparé. Je ne sais même pas où j'ai mis le bâton, là. Hi. Attendez, vous montre. C'est ça que j'ai préparé pour l'encamini. Je vais envoyer tout ça dedans comme ça. Pas le boussier. Pas ça, tout ça comme cela. Mais cette nuit, si j'ai dormi bien, 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 c'est là que confirme ma puissance. Personne ne veut me chercher la nuit. Elle va passer. Hein? Elle n'est pas passée. Elle va passer la nuit. Moi, mais j'ai Wanda qui yeah! Wow! Parce que moi, c'est le combat spirituel que j'attends. Tout ce qu'on fait sur Facebook, là, c'est rien. C'est pas ça qu'il attend. C'est pas le combat là que je veux. Hein? Moi, c'est le combat spirituel qu'elle vient dans la nuit comme cela. Quel chien méchant! Parce que non. Ce sont les chiens, j'ai des chiens méchants qui sont à la nuit comme ça, là, qui attendent seulement. Tu as vraiment mordre tes fesses là, non? Attendez. Elle est deux jours, les deux premiers jours, elle est venue. Les sont comment, non? Mof. Et non, les deux premiers jours. En partant, j'ai dit que tiens la gamme de chez Camoise Beauty, tu pars te oindre avec. Parce qu'il ne faut pas que, de la manière que tu brilles dans tes vidéos là, non? Il faut que tu continues à briller comme ça, là. Je t'ai donné la gamme Camoise Beauty. Tu es parti avec pourquoi? Parce que tu sais qu'avec Camoise Beauty, quand tu te balades dans l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce qu'il y a l'huile d'onction dedans. Combien de fois je vais vous parler de ça? Je vous ai dit ici là que quand tu prends Camoise Beauty, peu importe la gamme, peu importe les produits de Camoise Beauty que tu dois utiliser, le sang de Jésus qui est mort sur la croix de Gogota
est versé dessus. Alors quand tu te bats, peu importe l'endroit où tu te positionnes, quand tu as un Kamoise Beauty, quand tu as un Kamoise Beauty, maman, les charlatans, les marabouts, les réseaux chrétiens, les machins, personne ne peut t'atteindre. J'ai dit non. Quand tu as un Kamoise Beauty, non. Peu importe, personne ne peut t'atteindre. Parce que tu te balades dans l'ombre de la montagne haute. Il n'y a pas de parties que non, attends un peu, je vais un peu. Hein? Il n'y a pas ça sur ça. Hein? Regardez. Le teint uniforme. Et que si je ouvre le ma bouche, je descends mon pantalon, tu vois le nzout, tu vas dire que yé yé chien. Donc c'est comme ça que ton nzout. Non, il faut que ceux qui ont mes vidéos là n'ont plus vu le nzout là. Comme ça, vous allez voir comment le nzout est propre. Vous allez voir comment le nzout est étincelant, foudroyant, lumineux. J'ai même mis, attendez, j'arrive, attendez, j'arrive. Voilà. Hein? Quand tu utilises les produits intimes de chez Kamoise Beauty, tu es sûr. La crème, c'est combien? Malian, tu regardes sur le site internet, on a plusieurs gammes. Quand tu demandes ma crème, c'est combien? Le direct n'est pas fait pour parler de la crème. Hmm? Donc, quand tu demandes la crème, c'est combien? Tu passes sur le site internet www.kamoisebeauty.com. Quand tu passes seulement sur Google, tu saisis Kamoise Beauty. On te dirige directement sur le site internet. Tu peux prendre ta gamme Caramello, Miraculous, Chocolate. On a plusieurs gammes. Donc, ça diffère, les prix diffèrent. Maintenant, quand tu vas avoir une hygiène intime incolore, inodore, sans saveur, irréprochable afin d'atteindre le point G. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont jamais atteint le point G. Qui ne savent pas c'est quoi la jouissance. Qui ne savent pas c'est quoi atteindre l'orgasme. Elles viendront ici commenter. T'es perdu. Elles viendront commenter. Tu n'as pas encore atteint l'orgasme. Tu n'as pas encore atteint le point G. Tu n'as pas encore poussé le bruit. Mais tu comptes sur quoi pour ne pas utiliser les produits intimes de chez Kamoise Beauty? Les mamans, là, n'ayez pas honte. Hein. N'ayez pas honte. Dieu a dit, allez, multipliez-vous. Quand tu sens le planter entrer dans l'engueulure, quand tu utilises les produits Kamoise Beauty, produits intimes, notamment Jessica Seré que voici. Quand le gars met le bailleton, il met le condom, le plantain dans l'ongodia, sans le vouloir, tu pousses d'abord le cri. C'est un cri qui vient au fond de tes tripes. C'est un cri qui vient au fond de toi. Tellement la sensation inexplicable. Tellement la sensation indescriptible. Il faut vivre l'instant pour pouvoir le comprendre. Si tu ne vis pas l'instant, tu ne peux pas savoir ce que je suis en train de te décrire. C'est une sensation envoûtante. C'est une sensation angélique. C'est une sensation phénoménale. Toute femme qui a une vie sexuelle bien prononcée doit pouvoir entretenir sa partie génitale. Ainsi, ton homme ne va plus se plaindre des odeurs nauséabondes. Parce qu'il y a les filles qu'on ne tombe pas la pelouse. Les filles. Quand mon gars sort de là-bas en bas, s'il n'a pas un poil sur les dents, c'est qu'il n'a pas tondu la pelouse. S'il n'a pas un poil sur les dents, c'est que la pelouse n'a pas été tondue. Je ne pile pas tout, je ne rase pas tout. Je rase les bords, je fais les dessins, même les cœurs, tout ça. Hein? Je parle de mes nudes. Je t'ai dit que les gens ont mes nudes. Demande à ces gens-là de verser. Malgré la fraîcheur d'un bain, elle est toujours... Pardon, laissez-la comme ça. Donc, Mélion, c'est Mélion. Ton mari ne va plus se plaindre. Mais
Quand il ne zoute plus le poisson pourri, comment il peut descendre? L'odeur va le chasser. Tu vas dire à une lionne que viens prendre les ovules de chez Kamoise, puis tu fais ta cure pour éradiquer les odeurs vaginales. Elle va te dire, hey, 30 euros, ma chérie. Ma chérie, ça n'a pas de prix, ma belle. Une fille va souffrir des kystes ovariens, des fibrons, des myomes. Tu vas dire que viens prendre les perles détox. Celles qui ont les trompes bouchées, qui ont besoin d'enfanter. Je vois certaines femmes ici là qui ont besoin d'accoucher. Tu leur dis que viens prendre la gamme de produits, c'est 110 euros, commence à réfléchir. Tu veux vraiment l'enfant, ma chérie? Tu veux vraiment l'enfant? Ouais, Jacquemoise, vraiment, depuis dans mon couple, je n'arrive pas à enfanter et tout, ma chérie. Quand on cherche l'enfant, non, tous les moyens sont bons. On est bien, prendre ta cure de détox. Tu prends un paquet. Un paquet, c'est pour faire quoi, maman? Quand le médecin te prescrit le médicament, il te donne un médicament. Hein? Il te prescrit le médicament. Non. Il te prescrit un seul médicament. Non. Il te prescrit une cure. Tu vas dire à une que viens prendre, tu dois prendre au moins 5 paquets utilisés pendant un mois. Tu dois prendre les herbes yoni pour détoxifier, pour faire les bains vapeur. Tu vas l'indiquer, elle va calculer, elle va voir 200 euros, elle va dire que Aïcha, c'est cher, ma chérie, tu ne veux pas l'enfant. Tu ne veux pas. J'ai vu d'autres qui m'ont déjà contacté. Des jeunes petites filles là, qui commencent à avoir une vie sexuelle un peu. Tata Aïcha, j'ai trop de pètes blanches. Tata Aïcha, mes pètes blanches sont nauséabondes et jaunâtres. Tu as dû bien prendre tes ovules. L'argent que tu vas aller payer un bit. Parce que beaucoup comme ça, ils payent des petits garçons là. Viens prendre tes ovules, 30 euros, tu nettoies ta paroi pour avoir une bonne odeur. Après, quand le gars va prendre pour les donner à celle qu'il aime, tu vas venir pleurer, t'as échangé des pommes de cœur. Tu as pomme de cœur. Moi, mon cœur est brisé depuis. Tu ne savais pas ça. Hein? Moi, ma part de cœur est brisée depuis. Depuis l'encalanca, on a brisé mon cœur. Hein? Tu ne savais pas. Hein? Je t'informe. Hein? Je t'informe. Mesdames et messieurs, en bref, non, il est 3 heures par ici, mademoiselle Aïcha. En bref, mesdames et messieurs, je vais clôturer ce direct parce qu'elle va aller dormir. 110 euros là font combien? 110 euros là, tu convertis fois 655. C'est qu'il y a des problèmes. Il y en a les filles que quand tu es en train de. Tu envoies, les gars envoient même tous les mains dedans comme cela. Hein? Tu es insulté dans sa propre page. Ah, bon, je comprends pas ce que tu disais. Je disais donc ceci, hein. Tu vas voir cette fille. Le gars peut envoyer tout la main dedans comme ça, ça ancre. Donc, depuis qu'elle a couché, comme l'enfant est sorti, son roux est resté aussi comme ça, la lave. Le gars vient, il nage. À un certain moment, il ne te touche même plus. Hein? Il ne te touche même plus. Tu vas dire que ma chérie, viens prendre au moins ta cure de un mois. Parce que ici, dedans, c'est pour une semaine. Un paquet comme ça, c'est une semaine. D'autres vont acheter comme ça une semaine. Quand tu vas acheter une semaine, tu vas utiliser. Là, sur le coup, ça va bien marcher. Hein. Ça serait bien, bien serré. Mais au bout de deux mois, tu vas revenir. Autant mieux, tu prends ta cure de un mois. Tu sais que pendant toute l'année, voire même pendant 2-3 ans, tu es tranquille. Tu n'auras plus à revenir faire la même chose, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Tu prends comme ceci, une semaine. Après, quand tu vas aller faire, toi-même, tu vas sentir comment c'est bien serré. Les deux premiers mois, ça va. Après, ça va commencer encore à s'ouvrir. Et pourtant, quand tu viens, tu prends ta cure. Tu prends 4 paquets. Tu prends 4 paquets. Tu sais qu'un an ou deux, tu es tranquille, tu n'auras plus les problèmes de. Si ton gars. Parce que des fois, tu as un gars, il est en gros, oui. Ça veut dire que ton zouté est habitué à être large. Hein? Maintenant, tu prends un autre gars. Il a un petit, oui.
Hein? Tu ne vas pas sentir la bonne chose. Donc, quand tu vas continuer avec ton gars qui a un petit wave comme ça, c'est comme ça que ton wave, ton wave aussi s'est resserré, non? Parce que ça serait plus trop brutalisé. Tata Aïcha, tes produits de la beauté, là, c'est la magie, franchement. Franchement, de la perfection. Je vais commander encore. Merci, ma puce, pour ton témoignage. Il n'y a que les villageoises qui peuvent dire le contraire. Parce qu'elles veulent me détruire. Mais comment tu peux détruire ce que Dieu a élevé? Vous m'avez à montrer. Montrez-moi une seule personne qui est plus forte que Dieu. Même les rois qui connaissent tout là. Qui est plus fort que Dieu? Personne. Donc quand Dieu a dit que ma fille est bénie, tu es bénie par le sang sacré de mon fils qui est mort sur la croix de Gogota. Toi, le vampire de Kondongo, tu vas venir me faire quoi? Pas y entendre certaines personnes disent que tu sais, comme les gens ne t'aiment pas sur Internet, quelqu'un peut se cacher derrière pour venir essayer de faire du maquis. Ils ne sont pas nés. Hein? Ils ne sont pas nés. Moi, je veux que vous publiez mon soutien là. Comme ça, les lions vont voir comment c'est propre. Elles vont venir acheter les produits chez Kamoise Beauty. Ça fait partie du témoignage. Maman, la Kim Kardashian, on a publié les soutiens, sont devenus populaires. Ça fait qu'on n'a pas publié les soutiens de Kim Kardashian. Non, non, je recommence les productions bientôt, mon père. Je dois d'abord finir avec Kamoise Beauty. Je n'ai pas fini les travaux dans Kamoise Beauty. La boutique n'est pas encore bien assise. Je dois finir Kamoise Beauty. Je recommence. On a une série qui est déjà tournée. C'est déjà sur YouTube. Mais on a des 52 épisodes de fracas qui est déjà sur YouTube, déjà tourné. Tout est déjà bon, tout est calé. Il faut juste maintenant que je programme la diffusion. Mais je ne veux pas me disperser. Je veux commencer la diffusion quand je commence déjà un autre projet. Ainsi, j'enchaîne. Vous comprenez? Non, je ne veux pas trop me... Je veux pas trop me disperser, au fait. Je ne peux pas faire 10 000... Mais Liane, je suis fatiguée. Je ne peux pas faire 10 000 choses à la fois, au fait. Parce que si je me relance dans la production, je vais laisser le blogging. Je ne pourrais pas faire le blogging tout le temps. Enfin, je dois un peu me départager. Je dois faire mon programme. Là, d'abord, je dois finir avec la boutique de Kamoise Beauty. Ma boutique est assise. Je sais que j'ai mes clients réguliers. Là, maintenant, je recommence avec les productions. Parce que ce qui a fait que je n'ai pas continué avec les productions, c'est parce que je travaillais. Je ne pouvais pas tout le temps laisser mon travail en France pour aller au Cameroun tourner. C'était très compliqué. J'avais des problèmes avec mon employé tout le temps et tout. Et tout. C'était très, très compliqué. Et ça faisait des doubles dépenses. C'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont escroqué. C'est pour ça que... Et pour Secret Tabou, la Camoise. Secret Tabou est fini, ma lionne. Secret Tabou est fini. J'avais demandé un financement pour la troisième saison. C'est de l'argent, hein. C'est de l'argent. Donc, il faut que je m'apprête. Je te demande juste de... pas trop crier pour la santé nerveuse. Je ne veux pas exprimer ma façon de parler. Je veux pour serrer Jessica. C'est Jessica serrée, c'est 20 euros. Mais pour une bonne cure, tu dois prendre au moins 4. Toutes celles qui ont essayé, vous avez vu les témoignages, ceux qui sont en direct, mais dites toujours que c'est la patte. Le numéro de ma représentante est disponible sur mon site, est disponible sur le site internet. Si quelqu'un vous contacte, c'est de la part d'Aïcha Kamoise pour vous donner les produits. C'est pas moi. Il y a des personnes qui utilisent mon nom. Je vous le dis tous les jours. Ils vont vous demander les 2 000, 5 000 pour les frais d'expédition. Il y a des personnes qui utilisent mon nom. Des brouteurs qui utilisent le nom de Kamoise Beauty pour vous escroquer. Faites passer le message afin que les gens ne tombent pas dans le panneau. C'est maintenant que j'ai compris que Kamoise Beauty est populaire. Parce qu'il y a des personnes, ils se cachent là, ils sont là, ils vont t'écrire. Je suis la secrétaire d'Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise m'a écrit pour te demander d'envoyer les frais d'expédition. On t'envoie le produit. Dès que tu envoies l'argent, je te bloque. Dès que tu envoies l'argent, je te bloque. Voici ça que je préviens ici. Voici ça que je préviens ici. Et j'ai demandé que, quand vous ne me voyez pas en direct sur une page, si la personne se fait passer pour moi, signalez la page. J'ai 2 pages. Aïcha Kamoise. La Kamoise sur laquelle je fais le direct ici. Quand vous partez sur une page qui n'y a pas beaucoup d'abonnés, ce n'est pas Aïcha Kamoise là-bas. Ce sont les brouteurs. Voici ça qui est prévient. On va venir vous escroquer, vous allez venir pleurer dans mon inbox. Je suis fatiguée de rembourser l'argent que je n'ai pas pris.
rembourse moi si je vais encore prévenir dessus. La personne qui vient encore me retrouver une bosse, ne rembourse pas. Je suis fatiguée. T'as dit, je m'ai donné 2000. Pardon, je m'ai donné 2000. Ah, voici ça que je préviens ici là. Voici ça que je préviens ici. J'ai deux pages sur lesquelles je fais les directs. Yvette, vous aimez trop lire les titres sans comprendre le direct. Vous aimez lire les titres sans comprendre le direct. J'ai dit que Marie Bibi a raison sur ce qu'elle a dit. Elle a bouffé son djangui, c'est à moi de bouffer mon djangui. Mais, excusez-moi, j'ai eu l'absus, de témoigner une fois de plus que cette femme était une menteuse. Voilà. Pour avoir un teint, il faut prendre quoi dans ta gamme? Bah, il faut utiliser toute la gamme, ma chérie. Il faut utiliser la crème pour le corps, la crème pour le visage, le sérum, le gel douche, le gommage. Et moi, je fais aussi beaucoup de hammam. Tata Isha, bonjour. Ton salon est situé où? Je suis à Rennes. Mon salon est situé à Évreux, Normandie, 11 rue Saint-Sauveur. Hein? 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Voilà. L'une des seules vendeuses de produits cosmétiques. Regardez. Quand je mets la main comme cela, quand je mets ma main comme cela, c'est uniforme à mon teint, non? Voilà. C'est uniforme, non? Au teint, non? Vous allez donc comprendre que Camoise Beauty ne décape pas. Camoise Beauty, tu as une gamme nourrissante. Une gamme nourrissante, clarifiante. Tu as une gamme éclaircissante. C'est des éclaircissants naturels. Le glutathion, le collagène. Éclaircissant naturel. Mais tu n'as pas une gamme blanchissante. On ne fait pas encore dans le blanchissement. Dans l'Indien sang, dans l'Indien sang, quand tu quittes de noir, tu passes à métisse. Maman, ce n'est pas permis ici en France. S'il te plaît, seulement prends-moi comme employé quand ton salon sera opérationnel. Non, au Cameroun, c'est pas maintenant. Je ne me dispense pas, mais Lyon, quand vous me regardez, vous connaissez que je fais mes choses pas à pas. Après Évreux, il faut que j'ouvre à Paris. J'ouvre à Paris. Je dois mettre ma mère là-bas pour qu'elle puisse travailler. Parce que la formation qu'elle fait en ce moment-là, je trouve que c'est... Je trouve que bon, ça va la fatiguer un peu. Si je trouve le restaurant, j'ouvre le restaurant. Comme ça, elle va pouvoir gérer. Et si je trouve le salon de coiffure, je ferai le salon de coiffure. Après Paris, là maintenant, je pourrais faire au Cameroun. Voilà. Je pourrais faire au Cameroun. Mais je vais voir Mélion. Mais on a une représentante au Cameroun. Hein? On a une représentante au Cameroun. T'excuses pas des lapsus, on est habitué, c'est normal, courante chez toi. Maman, je fais fort avec ça, Bon, mignon, je vais vous laisser. On a un sujet cet après-midi, je reviens cet après-midi. On a un sujet là cet après-midi. Le gars qui publie le résultat des gens là, hein? Le restaurant va plus là, elle adore cuisiner, elle cuisine très bien. D'ailleurs, tous les dimanches, tous les week-ends, elle fait le tarot, spécial tarot. Je vous ai mis le numéro, non? Voilà. Voilà. Donc, elle adore cuisiner. Elle cuisine trop bien. Ceux qui ont goûté la nourriture de ma maman peuvent témoigner. Il y en a qui partent, vous partez récupérer, vous commandez, vous appelez, vous commandez, vous partez récupérer à Paris, porte de Clignancourt. Je vous poste régulièrement, non? Je vous poste régulièrement ces plats, tout ça et tout. C'est très, très bon. Et je sais que bon, ça va la plaire. Donc là, au fait, le truc, c'est que je trouve pas. Je trouve pas. J'ai déjà pu réunir les sous pour mais moi, je veux pas louer en local. Au fait, je veux acheter. Je veux pas louer en local parce que je trouve que si je loue le local, chaque mois, on va verser 2000 euros au bailleur. Mais c'est beaucoup. On fait à la maison. Les gens viennent récupérer 11 rue, 14 rue à la porte des Clignancourt. Pour une fille qui a grandi en France, le français. Toi qui as ton français, là, tu me dépasses en quoi? Parce que le plus important, c'est réussir dans la vie. Et j'estime que j'ai réussi. Moi, je suis propriétaire, je ne suis pas locataire. Je suis propriétaire d'une maison au Cameroun, en France. Je suis PDG d'une société reconnue. Tu tapes sur Internet, ils vont te dire.
je paye mes impôts. Je paye la taxe foncière. Donc, ma chérie, toi, tu pars à la banque, on ne te donne pas l'argent avec ton français. Moi, je ramène mes revenus. La banque me prête l'argent, comme j'ai envie de faire le projet pour ma mère. La banque m'appelle même souvent que madame voulait faire de placement. Vous voulez pas placer votre argent dans tel compte? Hein? L'État français m'appelle pour me rappeler que vous devez payer vos impôts. Sinon, on fait saisie dans vos comptes. Toi qui as le français, bac plus 70, tu me dépenses avec quoi? Hein? Tu me dépenses avec quoi? C'est là-bas que vous avez tout faux. Parce que quand toi, tu vas t'asseoir, vraiment, la vie d'Aïcha, ma chère et tout. Moi, il parle de la vie déjà, après, il m'en contrebalance. Hein? Et toi, tu vas t'asseoir. Hein? Mais donne à ma chérie mon français approximatif. Mais où est-ce que tu es là chez moi comme ça, à la fin du mois, ne me dis pas que madame, le loyer. Quand je prends au Cameroun, mais tu sais pas, je ne paye pas le loyer. Ma mère a l'immeuble. Mon oncle a l'immeuble. Ma tante a l'immeuble. Quand on vous a dit que ma famille soit la famille de Foula Noiré, encore bien, quand vous asseyez, vous vous renseignez. Ma grand-mère a perdu un seul enfant. Tout le monde a l'immeuble. Même si c'est R plus 1. R plus 1, c'est l'immeuble, non? Ma mère a l'immeuble. R plus 4. Mon oncle est en train de construire l'hôtel. Mais avant ça, il a un R plus 1. Avant son hôtel qu'il est en train de construire. Ma tante, après il y a ma tante qui est morte là. Bon, malheureusement, elle est morte. Après, il y a mon autre tante qui a R plus 1. Il y a ma tante qui est en Belgique, on dit qu'elle est folle. Qui est aussi en train de construire aussi sa part malgré sa folie. Il y a qui? Il y a mon oncle que vous dites que c'est un bangando, ne venez pas mal là. Bon, lui, il est comme ça. Donc, ma chérie, tu vois que chez moi, tout le monde est assis, non? Chacun est assis. Personne ne mange chez l'autre. On peut faire même des mondes, c'est pas le bon. Personne ne mange chez l'autre. Personne ne mange chez l'autre. Tout le monde est assis. Ma grand-mère ne vit pas dans la maison qu'il faut qu'on fasse. Mon oncle a acheté une maison, un R plus 1. Il a mis ma grand-mère dedans. Ma grand-mère en bas, elle vit là-bas. Il y a 4 chambres, elle vit là-bas seule. En haut, il y a les locataires. Ma grand-mère du côté de mon père, elle est très très vieille. Donc, elle vit au village, vivre en ville. Je lui ai proposé qu'elle vienne vivre. J'emménage un studio chez moi là-bas, je la mets là-bas dedans. Mais mes tantes ont dit que non, elle est trop fatiguée, le village est bien pour elle et tout, et tout, et tout, et tout. Mon père, j'ai un R plus 1, mon père vit en bas, j'ai même pas encore fini les travaux, mais mon père, du même idée, il n'est pas en location, il est chez sa fille. Il est dans une de mes maisons, chez sa fille. Mais pourquoi vous n'avez, vous... Toi aussi, tu aimes raconter ma vie, ma chérie. Mais j'aime vous raconter ma vie pour pas que d'autres viennent vous inventer des choses sur ma vie. C'est pour ça que je vous raconte ma vie. Finalement, vous voulez me voir vous bloquer. Oh, tu parles de ta vie. Quand je ne parle pas, tu parles pour les autres. Je vais parler pour qui? Maintenant, vous allez le boître. Maintenant, vous allez le boître. Hein? Bon, mes lions, je vais vous laisser, pardon. Ce soir, je vous ai dit, vous connaissez le gars qui publie les jours des gens à tort et à travers là, non? Il a voulu, il veut intervenir. Il veut intervenir chez Kamoise Beauty pour donner sa part de version. Donc, on va le prendre cet après-midi. Là, je m'en vais me préparer pour celles qui veulent me voir, qui veulent qu'on papote. Je suis 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. La boutique de chez Kamoise Beauty. Celles qui sont à Évreux, aux alentours de Évreux. Hein? Aux alentours de Évreux. Humilité, si tu veux bien. L'humilité précède la gloire. Je suis très humble. Donc là, tu as tiré à terre. Donc, pour celles qui veulent me voir, juger le teint en face avant d'acheter les produits, vous êtes des bienvenus au 11 rue Saint-Sauveur, 27 000 Évreux. Vous voulez vous coiffer?
Vous voulez mettre les ongles, on ne met pas encore les fossiles pour l'instant. Pour l'instant, on fait la coiffure, les ongles, la pose de la frontale, les tissages ouverts, la vente de produits cosmétiques, Amoise Beauty, produits intimes, les thés amincissants, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, on se dit à cet après-midi, millions et millions.